Yo les potes, c'est une nouvelle petite vidéo. Alors, petite vidéo sur Clash Royale, voilà. Les 6 ans, je crois. Attention, il y a marqué un gros 6, donc ça doit être les 6 ans. Alors, attendez, déjà, je vais monter le son. Hop, voilà. Ah bah, je l'avais carrément enlevé. Ok. Vous allez peut-être pas l'entendre très fort, mais... C'est quoi, je vais le monter encore un petit peu. Voilà, parfait. Du coup, c'est parti pour découvrir la nouvelle saison. Bon, j'ai déjà tout récupéré les récompenses, même s'il n'y en avait pas énormément. Alors... Déjà, je vais vous dire ce que j'ai récupéré. Déjà, le premier palier, voilà, qui est gratuit. Et j'ai activé le pass royal. On va voir toutes les récompenses qu'il y a juste après. L'arène, j'ai été combattant 2. Bah, ici, voilà, j'étais juste là. 5300 et quelques trophées. Et je suis redescendu jusqu'à 5193. Je sais pas pourquoi. Mais. Enfin, si, je sais pourquoi, parce qu'on perd des trophées. Mais du coup, c'est un peu triste, mais c'est pas grave. D'ailleurs, je crois qu'on perd bah, 100 trophées, il y a marqué là. Ok, chaque saison on perd 100 trophées, je savais pas, je savais pas. Ensuite, il y a une vidéo aussi, on va la regarder juste après. Dans le clan, on a gagné premier, du coup on a débloqué un coffre avec une légendaire. Et ici il y a un tournoi pour l'anniversaire aussi qui est très stylé. Donc on va tout découvrir dans cette vidéo. On va commencer direct à gauche. À gauche, déjà il y a des petites émoticônes, je sais pas si j'achète elle ou elle. Dites-moi en commentaire. En vrai, je l'aime bien. Du coup, il n'y a rien ici. Là, j'ai débloqué du coup des légendaires que j'ai mis sur mes deux là. Voilà, stylé. D'ailleurs, c'est le prince ténébreux qui est boosté cette saison. Donc, très stylé. Je devrais peut-être l'améliorer, non? Vu qu'il est boosté. On va l'améliorer. Ah, mais il est quand même au niveau 12, donc c'est nul. Je sais pas. On va le laisser comme ça, c'est bien. Du coup, Prince Ténébreux qui est boosté, il est très très fort en plus. Du coup, les récompenses aussi, les trois là, je les ai redébloqués, je savais même pas. Donc, on peut redébloquer les récompenses quand on revient, chaque saison, ok. Donc là, il va falloir que je monte au moins jusqu'à où? Au moins là, je pense. Au moins pour la légendaire. Donc, 5800 objectif. On va découvrir du coup le pass de combat après. Mais avant, on a le petit tournoi qui est juste là. Le tournoi de tirage triple, je l'ai fait, mais j'ai perdu malheureusement. Mais après, je vais pas jouer à fond. Du coup, dans le tournoi qui est juste là, 24 jours, on peut pas perdre d'ailleurs, il n'y a pas de défaite, donc normalement vous pourrez tous gagner. Il y a des petits esprits, coffre en argent, mais c'est une blague. C'est une blague, il nous met des coffres en argent. Ok, coffre en or, bah super. Le prince ténébreux, vu qu'il est boosté, un peu d'or, l'émoticône, la seule récompense bien dans ce truc, et un peu d'or, voilà. Dans les récompenses du pass de combat, qu'est-ce qu'on a? Alors, 1000 or, 100 jetons, enfin un truc, joker. Ça c'est quoi? C'est le livre ultime qui ajoute toutes les cartes. Ok. Bah ouais, on connaît en vrai. Ça c'est très bien, mais c'est un peu cheaté. Skin de tour. On peut pas voir à quoi il ressemble malheureusement. Pas comme sur Brawl Stars où on peut essayer les trucs. Ensuite, on descend, on descend. En attendant. Oh, la petite émoticône. Je la trouve grave mignonne. On descend, on descend. Je cite Tryhard aujourd'hui. Un petit coffre Joker. Ok. Un écu magique, donc ça améliore à la place de l'or. Une autre légendaire, une autre légendaire. En fait, il n'y a que deux légendaires. Et un coffre de trucs communes. Ok, en vrai, ça va. C'est pas trop trop cheaté. À part l'écu magique et le livre ultime qui est là, là. Je sais plus où il est. Bref, qui était quelque part. Il est là. À part les deux objets là, je trouve que c'est pas très cheaté. La tour, on peut pas la voir malheureusement. Donc c'est triste. J'aurais bien aimé la visualiser. Mais en tout cas, c'est très très stylé. On va se faire un petit combat, je pense. Ouais, c'est parti. Petit 1v1 vite fait. Comme ça, on va voir la map aussi. Ok, c'est parti. Arène légendaire. Oh, elle est belle. Quoique, j'aime pas trop en fait. Bon, je peux pas défendre. Ok. Je suis niveau 12, il est niveau 10. Je trouve déjà les trucs là, j'aime pas. Vous voyez là où il y a ma flèche? J'aime pas du tout. Enfin, j'ai raté. Le sort de glaçage là. J'aime pas. Oh là, je suis dans la merde. Ok, ça va le faire. Entre les petites gaufres là, c'est mignon, j'aime bien. Il y a des petits. Par contre, derrière, c'est bâclé, j'ai l'impression. Regardez, il y a de l'herbe.
Bon, c'est pas grave. Il y a des petites bougies aussi là. Petite bougie, sympa. Ok, mes flèches elles font le taf, c'est carré. Parce que les sapeurs, je sais jamais si je les tue avec mes flèches. Mais du coup, là on a la réponse que oui. Et là, on va mettre une boule de feu. Oula, le bâtard! Je suis dans la merde. Comment je défends? Allez, prends la tour, prends la tour. Non. Comment je défends cette merde? On va faire comme ça. On va mettre ça. Il va mettre des flèches, 100%. Voilà, je savais. Là, j'ai perdu, GG. Je vais mettre des flèches, j'ai rien d'autre de toute façon. Et après, on pleure. Voilà. On peut pleurer. Putain, j'ai trop le seum. En fait, j'ai mis trop d'élixir dans. Et j'ai mis une boule de feu dans le vide. C'est pas grave. On va gagner. Première game de la nouvelle saison, je suis obligé de gagner. Y'a pas le choix, de toute façon. Bon, là, il a mis son géant. Donc, je vais mettre le mien. Ok, je sais pas ce qu'il veut faire avec ça. Je vais rien faire, mon vrai. Ça va pas se passer comme ça, je te le dis. Ok, même pas un coup. Et on va partir par la droite. Avec des flèches dès qu'il met l'arme squelette. Il en met pas. Ah si, il en a mis. Encore pas. Hop, on va mettre l'arme squelette à droite, à gauche, plutôt. Ah, il a mis ses flèches. Ouais. On va mettre le petit méga chevalier. D'ailleurs, il a un méga chevalier niveau 2. On a gagné, GG les gars, let's go. Deux couronnes. Moi ce que je vous conseille les gars, c'est que si jamais votre tour elle a plus beaucoup de vie, comme moi elle avait 700 PV, et que la tour adverse, sa deuxième tour, elle a plus beaucoup de vie non plus, au lieu de défendre une seule tour, vaut mieux attaquer la deuxième. Comme ça si jamais il la prend, vous avez de l'avance et c'est carré. D'ailleurs j'aime bien le fond violet comme ça, c'est joli. Bon bah voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai gagné deux petites couronnes. Va falloir que je tryhard n'empêche. Oh, ça va être long. Il faut que je tryhard au moins niveau 10 aujourd'hui pour avoir le petit skin de tour. Ou même 20 pour l'émoticône. Bon, voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et pensez au code créateur NCO même si on n'est pas sur Fortnite. Imaginez, ça marche mon code créateur. Je pense pas. Là, j'ai mis Walleouf parce que voilà. Ça serait drôle que j'ai un code créateur Clash Royale. Est-ce que j'achète cette emote? Non, je vais garder mes gemmes pour une meilleure emote. Bref, je parle trop, désolé les gars. J'espère que si vous aura plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner pour ce code créateur et ainsi dans la boutique Fortnite. Allez, ciao!